Elle vient d'être embauchée dans cette paillote de luxe. À l'heure du déjeuner, c'est le coup de feu. Malgré le stress, elle ne doit négliger aucune table. Ses clients fortunés sont attentifs à chacun de ses gestes. Ça va être chaud. Faut serrer les dents. S'oublier un petit peu. Pour Elodie, être serveuse n'est pas une vocation. Diplômée en espagnol, elle souhaite devenir traductrice. Mais dans sa branche, elle ne trouve pas d'emploi depuis 2 ans. Alors en attendant, elle survit grâce à ses petits boulots. Comme l'hiver, je me consacre à la traduction et je gagne pas d'argent avec pour l'instant. Tout l'argent que je fais l'été, je l'utilise l'hiver pour vivre. Ici, sa rémunération dépasse tous ses espoirs. En plus de ses 2500 euros de salaire mensuel, elle peut doubler la mise avec les pourboires, mais elle doit cajoler ses clients. Vous voulez des desserts asiatiques? Un Saint-Pierre? À cette table, un groupe de riches touristes hollandais. Elodie est aux petits soins et ses clients semblent apprécier. Elodie est incroyable. Elle est vraiment très douée. Merci. C'est le moment de régler la note. La serveuse a le sourire aux lèvres. Merci beaucoup. C'est suffisant? Très bien. Okay. Très gentil. En général, je donne 110, 115 ou 120 euros. Ça dépend. Au minimum, 10% de la note. Pas mal, hein? C'est pas mal. 120 euros de pourboire, une somme habituelle pour ce restaurant. Ici, les gains des saisonniers battent tous les records. Khaled, le patron, voit passer de très gros billets tous les jours. Il en est presque blasé. J'ai entendu parler de 500 euros sur une table, ce qui est déjà énorme. Khaled dirige cet établissement depuis plus de 30 ans. C'est l'été qu'il réalise son plus gros chiffre d'affaires. Merci. Pour inciter ses riches clients à dépenser, il recrute ses serveuses sur des critères bien particuliers. Moi, je fais un casting, un super casting. Il faut que les filles soient jolies, sexy. C'est quand même mieux d'être servi par quelqu'un là. De beau et d'agréable à regarder que... Donc évidemment c'est sexiste ou c'est tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça, c'est arrêté. Et ça s'adresse aux garçons exactement pareil. L'arme fatale d'Elodie pour obtenir de gros pourboires, c'est son sourire. Un atout qui plaît particulièrement aux habitués. On a les CD. Séduit, ces deux banquiers suisses se montrent reconnaissants au moment de payer l'addition. 20 euros dans la poche de la serveuse pour une note de 200 euros. C'est moi qui les sers tout le temps et donc voilà, ils sont généreux avec moi. Ça veut dire qu'on a été très bien servi, amablement servi, et voilà quoi. En remerciement, Elodie et ses collègues prennent la pause. Ça fait un bon souvenir. Au total, ce midi, la serveuse a touché plus de 200 euros de pourboire. De juillet à septembre, elle gagnerait en moyenne 12 000 euros. Une chance inouïe, car trouver un bon job à Saint-Tropez est un vrai casse-tête. Ces petits boulots font rêver des milliers de jeunes et des escrocs en profitent.